quelques, disons, qualités de notre Parlement européen à Strasbourg. Dans le cas d'aujourd'hui, il s'agit de présenter le service de visite. C'est un service fondamental à travers lequel le Parlement peut montrer et se montrer aux citoyens. Et nous recevons énormément de visiteurs. Après, les experts qui sont avec nous pourront vous expliquer les chiffres, surtout les chiffres après la pandémie. Il faut que vous sachiez que vous pouvez venir ici physiquement quand vous voudrez. Et je voudrais donc présenter nos experts qui sont Michael Faure et Céline Riegel. Tous les deux travaillent avec Musea. Musea, c'est une organisation, un prestataire externe qui travaille pour le Parlement pour gérer tout ce qui a à voir avec les visites, parce que c'est un travail énorme et nous avons besoin de son aide. Alors, comme d'habitude, c'est mon collègue Evangelos Gintersos qui est à ma gauche, qui va s'occuper de modérer cette rencontre, cet événement, et il a ses consignes et je lui donne la parole pour qu'il puisse vous expliquer comment il voit la chose. Alors voilà, Evangelos, c'est à toi. Merci Rosa, je la présente aussi, c'est Rosa Miguelef. On se bien maintenant? Oui, très bien. Alors je vous présente aussi mes collègues, Sina Bittner et Léa Renaud. Et je ne vais pas manquer à mon devoir de hôte pour ne pas vous remercier. Alors, je vous remercie aussi de ma part d'avoir accepté notre invitation. Et avant de vous laisser la parole, je vais m'adresser aux participants. Alors, bonsoir ou bonjour, comme vous voulez, chers participants. Et juste pour vous donner quelques informations, si vous voulez poser une question après la mini-présentation de nos invités, vous n'avez qu'à lever la main pour ceux qui sont à l'écran. Et comme ça, on vous voit et on vous donne la parole. Et ceux qui ne veulent pas apparaître à l'écran, leur droit, ils peuvent poser la question par écrit sur le chat. Et nous pouvons la lire aux deux invités pour qu'ils vous répondent. Ensuite, encore une petite information, je dirais. S'il y a trop de participants et trop de questions, s'il vous plaît, afin que puisse donner la possibilité au maximum de participants de poser des questions, s'il vous plaît, ne soyez cool. Voilà, ne surpassez pas une minute de questions. Et à nos invités, pas plus de 3 minutes. Donc, tout ça. S'il y a trop de questions, s'il n'y a pas trop de questions, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour passer une heure agréable avec nos invités. Et comme je dis souvent, nous ne sommes pas sur le plateau de télévision pour dire « tiens, on arrête maintenant et on passe à la publicité ». Non, pas du tout. Alors, jusqu'à 19h, je pense que vous aurez le plaisir de poser des questions à nos deux invités. La parole est à vous, à Michael et à Céline, ou à Céline d'abord. Alors, bonjour à tous. Alors, un grand merci à vous aussi pour nous permettre de présenter notre travail au sein du Parlement européen. Donc, je suis effectivement Céline et je suis chef d'équipe Musea. Je suis accompagnée ici de Michael, qui est lui médiateur culturel au Parlement européen. Donc, nous travaillons effectivement pour Musea, qui est donc une entreprise de prestation de services. Nous avons de nombreux sites et nous sommes absolument très fiers d'avoir également celui du Parlement européen, qui nous donne l'opportunité de rencontrer de nombreux citoyens et de participer à de très nombreux événements à dimension européenne. Donc, voilà pour Musea. Donc, nous sommes actuellement une équipe d'une vingtaine de CDI. Donc, nous avons pour mission d'accueillir, nous sommes des spécialistes dans l'accueil du public, et nous avons pour mission, du coup, d'avoir le rôle de médiateur
culturelle avec les visiteurs. Je laisse peut-être la parole un peu à Michaël, qui pourra présenter un peu son travail avec plus de détails que moi-même. Alors bonsoir à tous et à toutes. Donc effectivement, je suis Michaël et je suis médiateur culturel au Parlement européen depuis 4 ans cette année. Donc j'ai fêté mes 4 ans chez Muséa et au Parlement européen cette année. Et donc mon travail et le travail de l'équipe consiste, donc comme le disait ma collègue, à l'accueil des visiteurs, que ce soit en dehors des sessions, dans le cadre de visites guidées ou d'un circuit ouvert, puisque comme le disaient nos hôtes, le Parlement européen est ouvert aux visites guidées et ouvert les après-midi pour un circuit libre. Et surtout, donc nous sommes aussi disponibles en session pour nous occuper à la fois de l'accompagnement des groupes, donc de faire le lien entre les groupes de visiteurs qui ont réservé et les députés, les assistants, mais aussi les divers conférenciers présents donc, pendant la session. Voilà. Et donc la richesse de cette équipe, je dirais, donc de notre équipe d'une vingtaine de collaborateurs et de médiateurs culturels, ce sera simplement le fait que nous parlons diverses langues étrangères, donc au sein de l'équipe, que ce soit français, allemand, anglais, espagnol et d'autres langues. Donc on a la possibilité de s'exprimer et de pouvoir communiquer avec un très grand nombre de visiteurs, comme j'ai dit, que ce soit en session ou hors session dans le cadre de visites guidées. Donc on propose des visites guidées dans un certain nombre de langues. Je voudrais intervenir avant le public pour vous demander quelques précisions. C'est-à-dire, le service de visite du Parlement européen est ouvert aux visiteurs, mais ils doivent s'inscrire ou pas. Première question. Vous voulez la répondre tout de suite ? Alors, pour ce qui est du circuit ouvert, donc c'est une entrée libre, donc pour ce qui est vraiment du circuit ouvert avec les audioguides et la possibilité de voir l'espace interactif, l'hémicycle et même l'espace d'exposition, c'est sans inscription. Les visiteurs peuvent se présenter au Parlement européen, passer la sécurité et tout simplement se promener dans le Parlement. Voilà. Pour ce qui est des visites guidées, par contre, donc en notre compagnie, que ce soit en session et hors session, donc là, par contre, ce sera de la réservation. Donc, tout sera à effectuer sur le site du Parlement européen au service réservation à Strasbourg. Et les horaires ? Alors, je me permets aussi quelques précisions. Alors, les visites guidées concernent donc les grands groupes de visiteurs. Les visiteurs peuvent venir de 20 jusqu'à 75 personnes. Donc, nous sommes parfaitement dans la possibilité de recevoir des classes, par exemple. Nous avons ce plaisir-là, des grands groupes scolaires, des autres groupes de personnes aussi. Pour les horaires, alors, les horaires vont de 9h jusqu'à 11h45, la dernière réservation. Ces derniers ont aussi la possibilité de se restaurer par la suite et sont pris en charge. 11h45 le soir ou le matin ? C'est qu'il se court entre 9h et 11h45. L'après-midi, il n'y a pas de... Alors, plutôt le matin, il faut être plutôt matinal pour venir avec son groupe de personnes visiter le Parlement. Voilà. Hein. Donc, les visites se feront en plusieurs langues. Donc, nous proposons des visites guidées en français, également en anglais, en allemand. Et selon nos possibilités, nous pouvons aussi proposer dans d'autres langues selon notre équipe présente le jour même. Hein. Donc, il nous arrive régulièrement de faire également des visites guidées en espagnol, en italien également. Et voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un voyage à Strasbourg et avec des collègues et je décide de visiter le Parlement européen. Quel serait votre conseil pour la réservation? Et vous croyez que c'est mieux de réserver avant d'arriver à Strasbourg? Est-ce que ça doit se faire beaucoup de jours en avance ou vous conseillez simplement, si c'est un petit groupe de 5-6, de venir directement au Parlement? Alors, si vous avez un petit groupe, je vous conseillerais de venir plutôt donc les après-midi, puisque en grand spécialiste de l'accueil de public que nous sommes parfaitement à même du coup de vous faire également de la médiation l'après-midi. Nous proposons donc un circuit qui comporte plusieurs étapes de visite.
Nos 13 médiateurs par jour sont postés donc, à des endroits stratégiques pour faire de la médiation, répondre aux questions, et ils font preuve d'une grande disponibilité pour tout ça. Donc, vous serez parfaitement reçus par l'équipe Muséa les après-midi avec vos invités. Et est-ce que vous pouvez me dire quels sont les endroits du Parlement européen qui sont choisis pour le circuit court ou le circuit long, ou les deux? Alors, nous réceptionnons les visiteurs une fois la sécurité passée, au niveau donc, de l'Agora, notamment pour voilà, qu'ils puissent voir cette partie du Parlement qui est quand même assez iconique. Après, on les accueille donc, au niveau de notre meuble d'accueil pour présenter un petit peu le parcours. Et à partir de là, on commence par l'étage moins 1, comme je disais, qui est la partie exposition. Là, nous proposons un certain nombre d'expositions en format papier, avec notamment une exposition sur Robert Schuman, une exposition sur Louise Weiss, donc assez récente. Nous avons bien sûr une partie un peu plus classique sur l'architecture, avec une maquette du Parlement pour montrer un petit peu les différentes parties du Parlement. Comme le disait ma collègue, c'est là que nous nous trouverons pour pouvoir parler un petit peu plus de cette thématique-là, donc l'architecture, et bien sûr la partie avec les drapeaux où se font les photos avec les députés pendant les sessions. Donc là, les visiteurs ont la possibilité de faire leurs petites photos devant les drapeaux des 27 pays membres avant de prendre les escalators et la montée donc, dans l'hémicycle qui est le lieu emblématique donc, du Parlement européen. Et c'est là qu'on pourra leur fournir un audio-guide qui sera disponible dans les 24 langues de l'Union européenne pour s'installer en tribune et pouvoir regarder une vingtaine de minutes d'explications qui concerneront surtout les sessions et le fonctionnement de l'hémicycle, avant de redescendre au niveau de l'espace interactif dont on parlait tout à l'heure, où là, donc, un grand panel de tablettes interactives, de cartes interactives seront disponibles, avec des informations sur chaque député, par exemple, des cartes interactives, et surtout un film à 360 degrés qui plaît énormément à nos jeunes publics. Alors, moi, je m'adresse aux participants. Si après toutes ces explications théoriques, certes, de Michael, ne vous donnent pas envie de venir visiter le Parlement européen et voir en pratique, avec votre propre yeux, ce que c'est le Parlement européen, ce qu'il fait, alors après ça, si cela ne vous intéresse pas, alors, excusez-moi, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus pour vous inciter à venir visiter le Parlement européen. Et surtout, je m'adresse aux Strasbourgeoises et Strasbourgeois, il faut s'approprier de ce bâtiment. C'est la maison du peuple. Ce n'est pas inaccessible parce qu'il y a beaucoup autour de moi qui disent « Ah, mais non, c'est impossible d'y accéder. » Alors, chers participants, vous avez toutes les informations pour visiter notre Parlement, votre Parlement, et parlez-en autour de vous, auprès de vos amis, et venez en groupe, en petit groupe, en famille, entre amis, petits, jeunes, grands, nains, gros, on accepte. Alors, parce que la société européenne est faite de tout, et le Parlement européen la représente, cette société européenne. Alors, je me permets de rebondir, hein, Evangelos. C'était effectivement très important de spécifier que nous sommes là pour les citoyens et qu'ils ont parfaitement la possibilité d'être accueillis et de venir visiter le Parlement. Nous avons effectivement souvent affaire à des visiteurs qui sont surpris de l'accueil qu'ils reçoivent, agréablement, évidemment, et de surtout pouvoir venir accéder et visiter le Parlement. Donc, nous sommes là spécifiquement pour ça, pour accueillir donc les groupes le matin, leur faire des explications très précises et en détail avec le temps qu'il faut pour, et également l'après-midi pour recevoir tous les visiteurs, pour qu'ils se sentent partie intégrante donc, de cet établissement qu'est le Parlement. Merci beaucoup. Et Céline, j'ai encore une question pour vous, pour les deux. Et c'est la suivante. Il paraît qu'il y a deux types de visites au Parlement européen. Il y a une visite quand il n'y a pas de session au Parlement européen et il y a des visites pendant la session du Parlement européen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste cette différence et qui s'occupe de quoi? Moi, je pense que ça aiderait aussi notre public à comprendre.
Alors, pour les deux types de visites, on va commencer peut-être par la session. En session, nous aurons une liste de groupes qui se sont inscrits pour venir assister à la session. Et on propose, dans ce genre de cas de figure, une conférence avant ou après le passage dans l'hémicycle. Ça tournera autour d'une heure de conférence. Il est même possible, si le groupe est en contact avec un député ou avec un élu, d'avoir une petite intervention donc de ce député durant la conférence. La conférence aura pour but d'expliquer un petit peu le fonctionnement de la session, expliquer un petit peu l'Union européenne de manière assez générale, donner la possibilité aux citoyens et aux groupes de poser leurs propres questions à des conférenciers, surtout de Bruxelles, avant d'aller dans l'hémicycle. Et l'hémicycle permettra de donner on va dire un coup d'œil concret à ce qui se fait dans le Parlement. C'est-à-dire qu'on a souvent des visiteurs qui, après avoir visité le Parlement européen en circuit libre, par exemple, décideront de venir avec un groupe, donc groupe universitaire, groupe scolaire, pour vraiment comprendre de manière, on va dire, palpable ce que représente une vraie session. Et donc, le passage d'une heure à une heure et demie dans l'hémicycle permettra de comprendre tout ça. Et donc, la différence avec une visite guidée, c'est que la visite guidée, donc alors, nous, on accompagnera les groupes, on leur donnera des explications, on les accompagnera vraiment de A à Z, de l'arrivée au niveau de la sécurité jusqu'à la sortie, en donnant aussi la possibilité aux citoyens et donc aux visiteurs de s'exprimer, de poser leurs questions directement. Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous. Ouais. Lors de la session ? En dehors de la session, c'est ça, ce sera de l'accompagnement. Nous, on ne fera pas de visite guidée pendant la session. Je précise pendant la session, pour tous les citoyens que ça intéresse de venir voir le Parlement pendant cette période-là. Donc, à la fois, des groupes peuvent venir réserver du coup leur visite avec une conférence et un passage à l'hémicycle, mais les individuels aussi. Donc, eux n'ont pas besoin de réserver et peuvent venir aux horaires des individuels qui se trouvent sur le site web du Parlement européen. Il suffit de venir avec une pièce de carte d'identité. Exactement. Parfait. Est-ce que quelqu'un parmi les participants aimerait poser une question à nos deux invités? Oui. Il faut allumer le bouton, monsieur. Monsieur, il faut allumer le bouton de micro. Il faut allumer votre micro pour qu'on puisse vous attendre. Voilà, j'ai une question. Oui. Je voulais parce que moi, je travaille là au Parlement à Strasbourg et je voulais savoir, les conférenciers, est-ce qu'ils ont une formation ou quand je les vois parler, ils maîtrisent bien? Est-ce qu'ils ont une formation? Ils ont des refreshs? Comment ça se passe chez eux pour qu'ils maîtrisent le sujet? Ou c'est d'eux-mêmes? Alors, bonjour. Alors, vous parlez bien des conférenciers en session? Oui, en session, hors session, tout ce que vous faites là, vous, pour avoir une idée comment ça fonctionne chez vous. Alors, je vais surtout vous parler du coup de l'équipe Muséa, celle qui nous concerne tout particulièrement. Donc, toute l'équipe Muséa a donc des études, effectivement, donc déjà en langue. Donc, ils parlent tous à minima trois langues. Généralement, c'est le français, l'anglais et l'allemand, mais il y a aussi d'autres langues. Ils sont tous à minima également, Bac plus 3. Et effectivement, dans leurs études, il y a évidemment un cursus ou un intérêt particulier pour les institutions européennes. Ah, d'accord. Dans leur cursus, mais pas de chez vous. Je veux dire, de chez vous, ils ne reçoivent rien. C'est justement de chez nous dont je parlais, notre équipe muséaire. Hein. Oui, oui, donc leur je cursus... Je vais compléter, monsieur, ce qu'il vient de dire l'équipe muséaire, parce que vous étiez étonné que les conférenciers savent parler de tout, répondre à tout, mais ce sont des professionnels. En dehors du muséaire, les conférenciers du Parlement européen, ce sont des fonctionnaires du Parlement européen. Tout à l'heure, Michael avait dit en passant, un conférencier qui vient de Bruxelles. Voilà, nous avons un service au sein de la Direction générale de la communication du Parlement européen, un service visite. Et là, effectivement, il y a des conférenciers dans les 24 langues officielles du Parlement européen. Moi, je viens avec mon groupe grec. Un grec va venir nous présenter le Parlement européen et écouter nos questions et répondre. Et il sera quand même pas obligé, amené à répondre à toutes les questions parce qu'ils sont fonctionnaires du Parlement européen. Ils ont passé un concours, ils ont été
de préparation. Une préparation, et ils ont été, on appelle quelqu'un qui a un gage, ils ont été engagés, si vous voulez, si vous permettez ce mot-là, pour leurs compétences. Ainsi, pour les autres directions générales du Parlement européen. Et si vous me permettez, je voudrais demander à nos collègues Sina et Léa d'inclure dans le chat, de l'adresse de la page web visite du Parlement européen. Je pense que ça pourrait être utile pour nos visiteurs. Oh, oui, ou nos invités, c'est-à-dire parce que si demain ou aujourd'hui, ça vous vient du coup l'envie de venir, vous verrez qu'il y a une page très bien dessinée avec énormément d'informations sur laquelle vous pouvez lire et voyager pour réserver, si vous avez intérêt, de réserver votre visite. Et je voudrais aussi demander quelque chose à mon collègue Evangelos. Mon collègue Evangelos, qui est très habitué à travailler dans les grandes manifestations du Parlement européen à Strasbourg, comme nous tous, mais lui peut-être un peu plus, prépare en ce moment une journée spéciale que le Parlement va célébrer dans quelques temps, la journée du patrimoine. Est-ce que tu pourrais raconter un peu, parce que j'imagine que Mousséa va participer aussi avec nous pour cette journée du patrimoine. Tu pourrais raconter à nous, parce que ça c'est aussi une occasion de visiter le Parlement, une occasion en plus spéciale et grande, non? Merci Rosa de me rappeler cet prochain événement qui aura lieu en même temps que le patrimoine national, on l'appelle en France, nous on l'appelle Journée du patrimoine européen. Donc c'est le 17 et le 18 septembre, le samedi et le dimanche. Donc, chers participants, comme je disais tout à l'heure, vous ou vos proches, vous avez l'occasion de visiter le Parlement européen durant ces deux jours, deux si vous voulez, le samedi et le dimanche, mais si vous avez autre chose à faire, il suffit, et pour voir les bâtiments, son architecture, et en même temps apprendre, en regardant les bâtiments, comment il fonctionne ce Parlement européen. Et il y aura des spécialistes de l'architecture de notre direction générale du bâtiment qui pourraient vous expliquer combien de mètres carrés, combien de salles, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas seulement pour apprendre quelque chose, mais c'est un plaisir aussi. Et moi, je reviens toujours à la même proposition que j'ai faite tout à l'heure à nos amis strasbourgeoises et strasbourgeois, pas seulement, toute la région, le Grand Est aussi, de ne pas s'en priver de venir visiter le Parlement européen tel que vous l'avez présenté tout à l'heure, la manière dont la formule que vous avez présentée tout à l'heure, mais surtout le 17-18 septembre, durant les deux journées du patrimoine européen. Alors, et en plus, il y a quelqu'un qui lève la main, donc je m'arrête, je ne parle plus, c'est l'occasion de me taire. Alors, Pompilio, c'est à vous, je vois, vous avez la main levée. Alors, posez votre question, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Oui, c'était juste pour avoir le lien, mais vous avez précédemment répondu à ma question, effectivement, Madame Rosa Miguelos. Et en fait, je voulais juste avoir le lien pour pouvoir effectivement réserver à l'avance et programmer effectivement une visite. Puisque quand on arrive de loin et qu'on prend des billets de train à l'avance, il faut vraiment qu'on soit fixé sur des dates, vraiment que ce soit vraiment bien organisé. C'est sûr que vous l'aurez. Et en même temps, je profite pour dire que cette heure que nous allons passer en stable, il sera publié sur la chaîne YouTube à partir de demain
Nevers. Hein? Non. Ce soir. Non. À partir de demain, dans l'après-midi, et sur YouTube, vous pourrez regarder cette. Il lève la main, voilà. Georgita Stan. Stanitouba. Allez-y, posez votre question, s'il vous plaît. I speak English, sorry. Okay, you can speak English. This is from European Union, yes? On n'a rien compris. Vous voulez parler avec lui en anglais? Allez-y. Oui. I speak English. Okay, I can hear you. Tell me. I want to say thank you so much to enjoy for that. What is that? This is enjoy for the Parliament, European Union, yeah, for the future. For the future. Well, we are planning to open the circuit and the Parliament for as many people as possible. So, as I said, if you want to come during the sessions, no problem for you. You can come as an individual. If you want to book the entrance with some friends or... No, I like to enjoy, like, to be a member, like, in the Parliament, to work in for the European Union, like, something like that. No, it's okay. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, c'est encore moi qui va poser une question, si vous me le permettez. Moi, je vais devenir la questionneuse. Mais c'est justement parce que je vais faire passer le message si important de que le Parlement européen, c'est un endroit ouvert à tout le monde et que non seulement il est ouvert et presque tous les jours de l'année, mais qu'aussi il fait des événements spéciaux, des fêtes, des rencontres pour que tout le monde puisse venir et participer. Par exemple, il y a aussi une modalité que vous connaissez sans doute, on vient de recevoir une lettre de l'ambassadeur de France qui nous demande, il y a un groupe du Paraguay qui veut venir à Strasbourg pour célébrer une rencontre. Qu'est-ce que nous pouvons leur offrir au Parlement européen pour cette visite? Alors? Eh bien, on proposera tout simplement une visite guidée. On essaiera de placer à ce moment-là et de positionner des collègues avec la langue adaptée, pour que l'expérience en fait pour ce groupe soit la plus optimale possible. Et bien sûr, on prendra effectivement comme d'habitude avec la majorité de nos visiteurs le temps de répondre à toutes les questions et surtout dans toutes les interrogations, surtout venant d'autres continents. Je sais que nous avons l'habitude d'avoir des visiteurs qui ne sont pas forcément européens, dont le pays d'origine a un fonctionnement gouvernemental ou même au niveau de l'Assemblée qui sera complètement différent. Donc, on prendra effectivement le temps pour réexpliquer tout ça et donc dans la langue appropriée, bien sûr. Donc aucun problème, quel que soit le groupe, on s'adaptera et que ce soit le citoyen qui vient l'après-midi pour visiter le groupe scolaire ou un groupe envoyé directement par un ambassadeur, on sera égaux et le plus disponible possible. Je répondis rapidement, hein, c'est effectivement réellement le cas. Nous recevons régulièrement en fait des groupes de visiteurs et des visiteurs du monde entier. Et il est très important d'appuyer le fait que le Parlement européen leur est complètement ouvert et qu'ils sont reçus par une équipe forte de propositions, très ouverte et très adaptable aussi pour répondre à toutes leurs questions et tous leurs besoins. Et il y a encore une question.
Est-ce que vous pouvez donner quelques chiffres? C'est-à-dire, aujourd'hui, on m'a parlé de 30 000 visiteurs par mois. C'est ça ou c'est un peu trop? Alors, malheureusement, par mois, je ne saurais pas vous répondre, mais je sais vous donner quelques exemples. Par exemple, hein. Donc, pendant les périodes de vacances et autres fêtes, nous recevons jusqu'à, par exemple, 3 000, 2 000, entre 2 000 et 3 000 visiteurs. Hein. Par mois? Par jour. Par jour. Voilà. C'est... Ah oui, par jour. Ah oui, par jour. Voilà. Ça, c'est important de le dire et de le proclamer, si vous voulez. Alors, je voudrais vous entendre aussi parler de quelle est la différence entre le COVID et le après-COVID. Vous pouvez vous lâcher, c'est une conversation, vous comprenez? Allez-y. Alors, la situation Covid, la pandémie a été assez particulière puisqu'on a été pris de court en mars 2020, si je me rappelle bien, et on a essayé au maximum de continuer notre travail, quel que soit le groupe, que ce soit individuel, visiteur, citoyen, groupe, etc. Et une fois la pandémie, entre guillemets, un peu passé, lorsqu'on a repris les visites, effectivement, on était disponible toujours pour les visiteurs, dans un premier temps uniquement en circuit ouvert, donc sans visite guidée, puisqu'en fait, le fait de rassembler des groupes, de les faire venir d'un pays en particulier, donc ça représentait un certain risque. Après, donc, en termes pour des questions beaucoup plus pratiques sur place, les gens portaient leurs masques, on avait du gel, et on a encore du gel hydroalcoolique à disposition partout dans le bâtiment, et on accepte même encore les gens qui portent le masque sans problème. C'est-à-dire que les gens peuvent venir choisir volontairement de garder le masque ou de l'enlever sans problème. Et nous, donc, pendant quasiment un an, si je ne dis pas de bêtises, on a continué notre accompagnement des visiteurs en circuit ouvert. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'être positionné à différents endroits, c'est stratégique, pour continuer et continuer de donner les informations dont les visiteurs avaient besoin. Voilà. Donc, maintenant, c'est vrai que les conditions de visite sont revenues, on va dire, à la normale. On réaccepte les groupes sans problème, les groupes même assez nombreux. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on a dû partager un groupe en deux avec l'un de mes collègues, parce que c'était un groupe d'un collège, ils étaient 90, donc on a dû diviser pour proposer une visite la plus parfaite possible, la plus agréable pour tout le monde, que ce soit pour nous en tant que guide et pour les élèves. Et pour ce qui est du circuit ouvert, on est revenu à la normale aussi. On prend le temps de s'approcher des gens, de pouvoir parler un petit peu avec eux et surtout d'être disponible. Encore une question, Evangelos, si tu me permets. Si je suis en train d'exagérer, tu peux me taper comme ça et je comprendrai très vite. Et ma question est la suivante. Est-ce que dans le Parlement européen, il y a des endroits où c'est restauré? C'est-à-dire, les visiteurs, est-ce qu'ils peuvent boire de l'eau, boire un café, acheter un sandwich, un souvenir? Alors oui, tout ça est disponible, que ce soit en circuit ouvert ou en tant que groupe ayant réservé. Il est possible de se restaurer donc au bar des visiteurs, donc qui est tenu par nos collègues et qui propose des cafés, des croissants, des sandwichs ou ce genre de choses pour pouvoir se restaurer sur place. Et il est même possible de réserver un passage au self et à la cantine du Parlement européen, que ce soit hors session et pendant les sessions. Voilà, donc ça, c'est à voir au moment de la réservation aussi, lorsque vous souhaitez faire vos réservations pour venir au Parlement. Donc, c'est une chose qu'il est possible de réserver sans problème. Ouais. Alors, moi, je vais rebondir sur les journées du patrimoine européen, parce que j'aimerais dire à nos participants, et toujours je m'adresse à nos citoyens, concitoyens, qu'il y a aussi une autre possibilité de venir voir le Parlement européen, c'est la journée portes ouvertes du Parlement européen. Cela se déroule au mois de mai, un dimanche. Et là, c'est un peu différent parce que c'est une fête. On apprend en même temps, on visite. Il y a
un débat dans l'hémicycle. Les citoyens peuvent s'asseoir sur une place d'un député, écouter, participer au débat et poser des questions aux députés européens qui sont là pour ça. Ça, c'est le côté institutionnel. Les groupes politiques sont présents pour répondre aux questions des citoyens et surtout aussi, comme j'ai dit, c'est une fête populaire. On peut s'asseoir, on peut boire quelque chose, on peut écouter une musique. Les enfants peuvent participer à des jeux, à gribouillage, je ne sais pas. Mais c'est une fête populaire. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui m'est propre. Cette année, c'était 2 ans après la pandémie, comme vous le savez, le Parlement a ouvert ses portes d'une façon hybride, mais il a ouvert les portes au mois de mai. Et tout par hasard, il y avait un ami grec qui était à Strasbourg. Et je lui dis, écoute, si tu ne sais pas quoi faire le dimanche, va visiter le Parlement européen. Il me dit, oui, mais c'est compliqué, est-ce que tu seras là? Je dis, oui, bien sûr, je serai là pour t'accueillir. Ce n'est pas le cas, parce que moi j'étais au lit pour des raisons personnelles. Donc il est venu avec un autre ami, et cet autre ami avec sa petite fille de 5 ans. Et quand ils sont partis, le grec, il a dit à notre ami commun, l'année prochaine, je vais venir avec ma famille. J'ai passé une journée magnifique. Et tout ça, c'est gratuit, chers amis. Alors, si vous, Strasbourgeois, je répète encore une fois, vous n'arrivez pas à vous mettre dans la tête que vous pouvez visiter le Parlement européen d'une manière ou d'une autre, portes ouvertes, journée du patrimoine européen et tous les jours, même le samedi, je pense, même le samedi, non? Les individuels, comme on avait dit tout à l'heure, ils peuvent venir à l'entrée du Parlement européen. Bon, il y a des contraintes, il y a un petit contrôle, mais pas plus que ça. Il suffit d'avoir une carte d'identité, comme je disais, et de visiter le Parlement européen, qui est beau d'ailleurs, pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur aussi. Okay. Je me permets de rebondir sur ce que vous disiez. Effectivement, ce qui rebute souvent les gens de venir lors de ce genre d'événements, les journées du patrimoine ou les portes ouvertes, c'est le monde et l'affluence. Il faut savoir que nous, on sera plus nombreux. Alors, je parle pour Eumusea, bien sûr. Les médiateurs culturels seront beaucoup plus nombreux et surtout tout aussi disponibles que le reste du temps. Même ces deux journées-là sont des ambiances assez particulières puisque les gens sont assez heureux d'être là. Beaucoup de discussions avec les visiteurs. Et puis même, ça nous arrive quand on reste, imaginons, une heure dans les tribunes de l'hémicycle à expliquer le fonctionnement de l'hémicycle, que les gens, qu'il y ait des groupes qui s'enchaînent pour venir nous écouter. Et oui, effectivement, on va répéter un petit peu les mêmes choses, mais il y aura toujours un petit quelque chose qui fera la différence avec les différents groupes et ressortiront avec le sourire. C'est-à-dire qu'on a, vous insistez depuis tout à l'heure sur les Strasbourgeois, et c'est vrai qu'on a énormément de visiteurs strasbourgeois qui font partie du cas de figure, donc de visiteurs qui passent devant le Parlement en pensant juste pouvoir faire une photo ou le montrer à des amis en promenade à Strasbourg, et pour finalement que les agents de sécurité leur disent « allez-y, entrez, vous pouvez visiter », et que là, ils prennent le temps de venir voir chacun d'entre nous pour avoir des explications, et que 2 semaines plus tard, on les voit revenir, cette fois avec un groupe un peu plus conséquent. Donc, c'est vrai que notre équipe est présente sur place pour pouvoir interagir avec les gens, et surtout, on est très sympa, on est très ouvert à la discussion sans problème, et d'autant plus dans différentes langues. Donc, c'est vrai que n'hésitez pas, venez vraiment au Parlement européen. Parfait. Il y a des questions? Parce que sinon, Rosa va poser encore des questions. J'ai une curiosité. Est-ce que la terrasse panoramique a été rouverte ou pas? Alors, très bonne question, parce qu'elle va enfin réouvrir cette fin de semaine. À partir de vendredi, il sera à nouveau possible de venir visiter la terrasse du Parlement européen. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est la terrasse panoramique? Alors, la terrasse, c'est tout simplement le 13e étage de la tour du Parlement européen, donc la tour que vous voyez depuis l'extérieur du bâtiment. Vous avez une grande terrasse avec une vue magnifique
d'un côté sur Strasbourg et de l'autre sur la forêt noire, et donc une partie de l'Allemagne avec les différents ponts pour accéder à Kiel, le jardin des deux rives et toute cette partie-là, et bien sûr une vue depuis, on va dire, d'au-dessus de l'intérieur de l'Agora, qui a quand même une architecture assez particulière aussi. Et si vous venez, c'est l'occasion aussi pour nous de vous parler un peu plus d'architecture de manière un petit peu plus précise, puisqu'on aura tout à disposition autour de nous. Et bien sûr, donc dans l'équipe, quand même, la majorité d'entre nous sont très curieux et connaissent beaucoup de choses sur la ville, sur l'Allemagne. Et comme la majorité de nos visiteurs sont aussi des touristes, on va les orienter vers différentes structures et leur donner des informations sur ce qui se déroulera sur leurs yeux, sous leurs yeux. Oui, moi, c'est une question de façon, je ne pense pas que vous pouvez répondre, mais on ne sait jamais. Peut-être, est-ce que vous avez des statistiques, pas scientifiques, mais des statistiques simples concernant les Européens, visiteurs et reste du monde? Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il vient de tout le monde pour visiter le Parlement européen. Alors, à l'heure actuelle, je vous dirais 90% de nos visiteurs sont de l'Union européenne. Donc il y a 10% pour le reste du monde. Avant Covid, c'est vrai qu'on était habitué l'été à avoir énormément de groupes venant notamment des États-Unis qui faisaient une sorte de parcours en Europe, donc pour aller visiter Bruxelles, pour aller visiter bien sûr d'autres grandes capitales avant de finir à Strasbourg pour avoir, on va dire, la conclusion de leurs différentes visites du Parlement européen. Donc là, on était peut-être plutôt sur du 80-20%. Voilà. Depuis le Covid, c'est un petit peu plus compliqué, mais on a quand même, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai pu faire un petit peu de médiation culturelle avec des personnes australiennes. Voilà. Si tu me permets, il y a ici une suggestion de Carmen Valdivia et je vais essayer de répondre et pour expliquer à Carmen qu'il y a, elle a raison, il faut faire plus de publicité sur Internet. Mais dans chaque pays européen, il y a un bureau du Parlement européen. Et parfois deux et parfois même trois, comme en France. En France, il y a un à Paris, un autre ici à Strasbourg et encore un à Marseille. Ça s'appelle EPLO. Et ça, c'est de ces centres de communication à propos du Parlement européen qui sort toute l'information qui arrive dans les écoles, dans les collectivités, dans les universités, etc., etc. Et puis après, pour Joseph Perry, je voudrais lui... Pardon? Il peut parler sinon, sur ça, la question. Sur les... Non, mais la question est écrite. Oui, il peut répondre parce que nous avons déjà la carte... interactif pour les jeunes. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que déjà, en ce moment, le Parlement européen organise des projets pédagogiques, surtout un énorme qui s'appelle Euroscola et qui permet à des milliers et des milliers d'étudiants de toute l'Europe et même du reste du monde de participer une journée ici au Parlement européen. Alors, un exemple concret pour répondre à Perry Joseph, un exemple concret, ce que nous organisons actuellement au Parlement européen concernant les jeunes. C'est le projet interactif avec les cartes postales. Tu m'as... De faire de la médiation adaptée à tous et à toutes, quel que soit le handicap. C'est quelque chose qui a même été testé, pour ne rien vous cacher, la semaine passée, puisque nous avons partagé avec l'une de mes collègues un groupe d'un IME, donc un institut médico-éducatif, avec des enfants en situation de handicap, donc de 10 à 17 ans. Et donc, en travaillant de cette manière, ça nous permet aussi donc, de montrer que nous, donc chez Musea, on est capable actuellement d'accueillir ce type de public. Voilà. Donc, j'insiste, parce que c'est vrai que c'est des choses qui ne se savent pas forcément dans le milieu de la culture et de la visite en général. Ça ne se sait pas beaucoup. Donc, voilà, si c'est le genre de choses qui vous intéresse en termes de visite guidée, mes collègues et moi,
sommes compétents pour ce type de public aussi. Voilà. Parfait. Encore une fois, si vous n'êtes pas convaincu, après tout ce que vous avez entendu, venir visiter le Parlement européen, alors moi, je lève les mains. Je baisse les bras, pardon. Sina et Ouléa, est-ce que vous pouvez répondre? Parce qu'il y a une personne qui dit qu'il n'a pas compris le nom de Euroscola. Peut-être vous pouvez mettre sur le chat le nom Euroscola et peut-être aussi l'adresse de la page web. Merci beaucoup. Mais peut-être oui. Pour dire un petit mot. Ah oui, et vous voulez. Oui. Oui, je voulais juste rebondir effectivement sur les nombreux événements donc auxquels les citoyens peuvent participer. Il y a notamment depuis cette année, depuis même l'année dernière, je crois bien, les conférences sur l'avenir de l'Europe. C'est quelque chose de parfaitement nouveau et auquel tous les citoyens peuvent participer. Ils peuvent également venir visiter le Parlement pendant les plénières qui sont tenues à cette occasion. Donc, les événements sont aussi nombreux. Hein. Et j'avais aussi un petit quelque chose à ajouter par rapport à ce que vous disiez. Donc, il existe un peu partout en France, donc surtout des antennes européennes, donc des petits locaux de l'Union européenne permettant de donner des informations. Vous parlez de Marseille, donc il y a Lyon, Paris, effectivement, qui possèdent des grands bureaux à ce niveau-là, surtout au niveau de la communication. Moi, je viens personnellement d'une ville moyenne, en plein centre de la France, qui possède son petit bureau. Donc, effectivement, si vous êtes enseignant ou enseignante et que vous cherchez à venir avec un groupe, vous pouvez toujours vous rapprocher de ce type de structure ou nous contacter directement. Donc ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez organiser pour venir voir le Parlement européen. Ils sont en mesure de donner des outils de communication, que ce soit des outils éducatifs, ce genre de choses. Mais voilà, si vous voulez compléter tous ces cours ou toutes ces choses, vous pouvez aussi venir et passer par ces antennes. Les informations par écrit et les sites du Parlement européen. Donc, Euroscola, c'est un des rares programmes, pour ne pas dire le seul programme, soutenu par le Parlement européen, qui consiste à faire venir des jeunes de 27 pays membres de l'Union européenne un jour à Strasbourg, au Parlement européen, pour prendre la place, entre guillemets, d'un député. Et s'habituer, en quelques mots, à connaître les autres jeunes européens, à savoir comment le Parlement fonctionne, et à la fin, passer une belle journée en dehors de leur pays, et pour certaines, la première fois qu'ils sortent de leur ville ou même de leur village, ou de leur pays, et passer une belle et agréable journée à Strasbourg. Mais pour plus d'informations, parce qu'il faut faire une demande au niveau national de s'inscrire sur un concours, parce que les personnes ou les étudiants ou les élèves qui viennent ici accèdent au Parlement européen suite à un concours. Donc, pour plus d'informations, comme on disait tout à l'heure, on va vous donner le site de l'Euroscola. C'est déjà fait. Voilà. Si, parce que peut-être on pourrait, pour insister un peu sur ce que vous venez de signaler à propos des antennes, et pour le programme Euroscola, ce sont les écoles qui participent. Ce sont les écoles qui doivent présenter leur candidature dans chaque EPLO de chaque pays membre. C'est-à-dire, ce ne sont pas des antennes, c'est les EPLO, les centres. Qu'est-ce que c'est EPLO? Alors, explique qu'est-ce que c'est EPLO. Allez, vas-y. EPLO, c'est le bureau d'information dans chaque capitale de pays membres de l'Union européenne. Donc, European EPLO, European Parliament. Office de liaison. Liaison, voilà. Bureau de liaison du Parlement européen
dans la capitale du pays membre de l'Union européenne. Exactement. Et c'est là que va se tenir un concours une fois par an pour élire les candidats qui ont présenté sa candidature avec un projet et avec des exigences par rapport aux langues parlées, des élèves, etc. Et c'est comme ça que le groupe qui sera choisi pourra envoyer tout payer ses élèves, un numéro important, hein, 24 pour chaque pays membre. Ils vont pouvoir l'envoyer ici à Strasbourg pour vivre cette journée au Parlement européen. Evangelos et moi, nous avons travaillé quelques années à Euroscola. Nous connaissons bien le sujet. C'était très intéressant et parfois nous nous retrouvions avec 600 participants, hein? 600 jeunes. Avec les accompagnateurs. De 16 à 18 ans, ici au Parlement européen, avec les profs des écoles. Et c'était vraiment très émouvant. Ça a commencé à 9h du matin et ça a continué toute la journée jusqu'à 18h. Et à 18h, la journée se fermait avec l'hymne européen et tous les élèves des écoles qui promenaient les drapeaux à l'hémicycle. C'était vraiment très émouvant. Ça continue à se célébrer pendant la pandémie, mais en format online. Et maintenant, ils vont recommencer après les vacances d'été avec un format hybride. Mais c'est un monde qu'il faut découvrir. Et les générations de Euroscola qui passent par ici, tant les profs qui ont des activités spécifiquement pour eux, comme les élèves, ils sortent complètement changés. Ça, je peux vous le dire, parce que j'ai eu l'occasion d'admirer ces changements quand ils arrivent le matin à 8 heures, encore fatigués du voyage en autobus ou en avion, etc. Et comment ils commencent à se développer, à se convertir et à changer comme personne. Et le souvenir, ils vont le garder toute leur vie. Ouais. Oui, c'est parfait. D'ailleurs, pour donner des chiffres de l'importance de ce programme, comme je disais tout à l'heure, pratiquement c'est le programme financier soutenu par le Parlement européen. Et durant l'année avant pandémie, il y avait 20 séances d'Euroscola. Moyen, 500 élèves ou participants par séance, ça nous fait 10 000 jeunes venus de 27 pays européens par an. Dans 30 ans qu'il existe l'Euroscola, ça nous fait 300 000. Mais les chiffres veulent dire quelque chose. Parmi ces 300 000, je peux raconter encore une anecdote personnelle. À un moment donné, en 2004, il y a un ami grec qui a été élu député européen. Et quand il a annoncé à sa famille, je vais aller à Strasbourg au Parlement européen, sa fille lui a dit, non, c'est pas toi qui es allé le promener à Strasbourg. Moi, je suis allé. Mais tu es allé comment? Avec l'Euroscola. Donc, il était député européen pour un jour, cette gamine-là. Et il a rappelé son père à l'ordre. Évidemment, son père a été élu. Elle est aussi élue au niveau de l'école. De son école. Oui. Élu. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il passe un concours. Voilà. Est-ce qu'il y a une question avant de terminer en beauté cette belle ère avec nos invités? Est-ce qu'il y a une question? Je ne vois pas. Tu vois? Par contre, moi, j'ai une question à cette jeune fille qui s'appelle Kari Ginter. Est-ce que nous sommes cousins? Parce que moi, c'est Ginter Sos. Donc, j'ai la terminaison grecque, SOS. Mais le Ginter, je ne sais pas. De quelle origine est mon nom? Alors, je ne sais pas si vous pouvez dire quelque chose, jeune fille.
Elle a dit merci tout à l'heure. Elle a dit merci. Ah non, mais je vois Wikström, donc on n'a rien à voir. Moi, je suis grec, vous, j'imagine que vous êtes suédoise ou quelque part de là-haut. Wikström, oui, c'est ça. Elle vient du nord. Vous venez du nord, oui. Alors, Evangelos, avant que tu clôtures cette rencontre, je voudrais remercier Michael et Céline et demander pardon pour toutes mes questions, mais je crois qu'il fallait les poser pour faire ressortir les informations. Et j'espère que vous pourrez me pardonner. Et je suis à votre disposition en tant que muséa aussi pour vous transmettre des informations. Parce que parfois, le Parlement, la communication entre les différents départements, elle n'est pas si évidente. Vous comprenez? À tel point que nous organisons ces rencontres, les Grand Games, justement pour que faire pénétrer les gens à l'intérieur du Parlement et le Parlement aussi à l'intérieur des gens, pour réussir à mélanger ces deux choses qui parfois restent très éloignées. Donc, je vous remercie beaucoup et vous avez été magnifique. Merci. Merci, Rosas. Moi, je n'ai qu'à vous remercier aussi, vous, les participants, mes collègues, mais surtout vous qui êtes à l'écran ou pas à l'écran. Et je vois, pour clôturer, un message et je vais le copier. Remerciez-moi vraiment. Très intéressant, très belle soirée. À vous tous, un grand bravo, merci et à très bientôt. Au revoir. Ciao.